Là, j'ai réussi le tour de force. Êtes-vous prêt à entrer dans le monde des rêves? Allez, je suis prêt, S'il vous allons-y. plaît, utilisez ce lit supplémentaire. Si vous dormez trop loin de Hénantier, ça risque de ne pas marcher. Je vous surveillerai tous les deux et veillerai à votre sécurité. Oh, Seigneur, j'ai failli oublier. Hénantier m'a dit un jour que s'il était tué dans ses rêves, toute personne s'y trouvant avec lui mourrait également. Alors, faites attention. Ah, génial. À présent, il est temps de dormir. J'aimerais tellement pouvoir y aller avec vous. Eh ben non. Oh les boules. Elle est super rassurante. Oui, bah, une heure symbolique, on s'en fout. Ah non, ça marche pas. Non, faut mettre le bijou, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, go. Alors, je suis entré dans le monde des rêves de Hénantier. À ma grande surprise, j'arrive complètement à poil, à l'exception de l'amulette du monde des rêves. Non seulement je me trouve sans armes, mais je découvre que l'amulette m'empêche d'utiliser la magie. Je vais devoir explorer cet endroit étrange en espérant y trouver de quoi me défendre. Ma parole, vous m'avez fait peur. Est-ce que vous existez vraiment? Bah oui. Je me suis égaré. Cet endroit me rappelle quelque chose, mais j'ai oublié comment j'étais arrivé ici. Pouvez-vous m'aider? Le monde des rêves, mon gars. Cet endroit est tellement étrange. Le monde des rêves, dites-vous. Cela ressemble plus à un cauchemar, oui. Cet endroit ne me plaît pas du tout. J'ai la sensation que je ne devrais pas être là. Rubé. Il doit bien y avoir une issue quelque part. J'explorerai bien les environs, mais j'ai peur de ne pas en avoir le courage. Comment ai-je pu commettre une telle erreur? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais que j'ai perdu quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup perdu dans cet endroit étrange. Vous voulez bien m'aider? Mais oui, je suis là pour ça. Je peux même pas faire usage de la... Oh! Ah oui, à poil. Oui, heureusement qu'il y a la petite tenue. Oula! Oula là! Pardon, la 18 plus, là, ça devient gênant. Silence sur soi, effet permanent. Oh la vache! Waouh, la puissance du truc, toi! Un peu de pudeur, je vous prie. Voilà! Là, je me sens mieux. T'aurais pu te retourner, cochon! Oula! Ah oui, il y a du bazar dans son rêve. Nous devons quitter cet endroit. Oui, si on peut. Putain, mais je vois rien. Vraiment, magie zéro? Vous êtes réduit au silence. Ah oui, merde. Ah, merdome. Merdome, merdome. Portail pour test de perception. Le bouquin nous indique quelque chose, peut-être. Non? Non, 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 c'est un truc classique. Ok. Nous devons quitter cet endroit. On va le quitter, on va le quitter. Le test de patience. Vache. Est-ce que vous avez trouvé une issue? Nous devons nous échapper. Oui. Parce que manuel d'armes, il est classique, manuel d'armes. Ce manuel a été commandé par le général Warharf
pour servir d'introduction aux armes et de guide pour tous les officiers de l'Empire sur le champ de bataille. L'armement du soldat doit être à l'image de ses talents. La dague, l'épée courte, l'épée longue et la clé mort conviennent aux talents des stocks. Pour brandir la hache de guerre, la masse d'armes, la hache d'armes et la masse de guerre, il faut maîtriser les armes contondantes. Aux non-initiés, le marteau et la hache sembleront très dissemblables, mais le rythme, le maniement et la force nécessaires à ces deux armes sont identiques. Seuls les soldats maîtrisant la précision peuvent porter l'arc. La plupart de ces armes sont généralement utilisées avec un bouclier. La clé mort, la hache d'armes et le marteau de guerre requièrent l'usage des deux mains. Ces armes à deux mains sont particulièrement adaptées aux chevaliers portant une armure lourde ou berserker et aux soldats gardant les flancs de la formation. Au cours des âges, les armes ont été fabriquées dans de nombreux matériaux, chacun variant en poids, en durabilité et en coût. Ces matériaux sont ici répertoriés par ordre de popularité et de coût, le moins onéreux et le moins prisé étant le premier, le fer, acier, argent, vénère, aile, verre, ébène et enfin daédra. Certains armuriers ont remarqué, à juste titre d'ailleurs, que les armes en argent étaient un peu moins durables que celles en acier. Il n'en demeure pas moins que l'aptitude hors du commun de l'argent à toucher les fantômes, les spectres et les certains types de créatures d'Aedra n'est pas remis en cause. Ah, je savais pas ça que l'argent pouvait affecter les spectres, les êtres psychiques. Ah, faut que je retienne ça que l'argent est efficace contre les feux follets. Les arcs sont fabriqués avec les mêmes matériaux feuilletés ou laminés, ce qui permet une plus grande souplesse et donc plus de puissance de tir. Le matériau de la flèche, notamment de sa pointe, peut en affecter la masse et le degré de pénétration. La qualité de l'arc et celle de la flèche sont toutes les deux prises en compte pour déterminer le degré de pénétration de l'arme. La plupart des fables et des chansons évoquent des armes enchantées. La magie sommeille jusqu'à ce que l'arme touche un adversaire. L'enchantement se réveille alors et cause des dégâts sur la cible. L'enchantement de l'arc se transmet à la flèche lorsqu'elle est tirée. Si la flèche dispose d'un enchantement propre, le projectile contient les deux enchantements et les transmet à la cible. Ça, c'est bon à savoir aussi. Ah, putain, accumuler les sorts, ça peut être violent. Une arme enchantée dispose d'une réserve de magie limitée. Chaque coup puise un peu plus dans sa réserve jusqu'à ce qu'elle soit vide. Les enchantements peuvent être chargés à l'aide de procédés d'arcane utilisant des gemmes spirituelles. Plus l'esprit de la gemme est puissant, plus le degré de magie restauré est important. Rouleau mystérieux. Que dit-il? Ça, c'est trop bizarre. Voilà, le là. What? Ah oui, complètement mystérieux ton rouleau. Mais la porte était là. Oulala! Ah! Ah, laisse-moi deviner. Attends, j'ai même pas regardé la dalle. C'est du 4 sur 4. C'est du 4 sur 4, donc c'est ça. Est-ce que cette dalle-là, elle tire? Non, donc il faut que j'aille comme ça. Ok, ça j'ai compris. Ouh! Donc le symbole là, c'est le bon. Oh putain, le prochain c'est balèze.
Oh là là, la prochaine épreuve, c'est du 6 sur 6. Alors, c'est le quatrième en parlant du bas et le bon. D'accord. Donc il faut que je fasse tac 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 tac. Ok. D'accord. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5. Merde, je sais plus. 6, 7, 8. D'accord. 6, 7, 8. D'accord. 9, 10, 11. Oh vache. Putain, mais je vois que puis qu'il y a. Oula. Je devais pas avoir un document là. Ah pardon. J'ai oublié qu'il y avait la troisième partie, merde. Alors attends, oh là là. Alors attends. Donc le bon c'est celui-là. T'es sûr? Oh merde, faut falloir que je saute. Oh! Mais non, mais c'est pas possible. Oh là là! Attends. Attends. Mais non, j'ai des conneries. Attends. Non, je suis là. Donc c'est celui-là. Ah, d'accord, c'est... Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh putain. Cette énigme de fou, je suis là. 8, 9... 10, ok. 8, 9, 10. Onze, 12. 13, 14, 15. Ok. 11, 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh vache! Excellent! Alors, quête mise à jour à travers son cauchemar. J'ai trouvé des éléments de la patience. Enfin, de patience. Il doit s'agir d'une des choses égarées par Enantier. C'est sans doute d'avoir perdu cette capacité de son esprit qui le perturbe tant. Si je parviens à trouver tous les éléments et à les lui ramener, Anatier recouvrera peut-être ses esprits et parviendra à rester éveillé. Je devrais continuer à chercher les autres éléments si je veux avoir une chance de m'en tirer de ce cauchemar. Oui, bah, nous devons quitter cet endroit. Comment tu te sens, mon garçon? Est-ce que vous avez trouvé une issue? Nous devons nous échapper. Bon, j'ai déjà élaboré la patience. La patience m'est acquise.
Donc ouais, j'ai plus à le refaire, c'est déjà fait. Il me reste juste la perception, il n'y a rien d'autre? Non. Sérieux? Ah non, il y a un sous-sol, j'avais pas vu qu'il y avait un sous-sol. Le test du courage. Ah vache. Là, il y a beaucoup de sang. Test de résolution. Putain, mais elle est géniale, cette quête. Elle est géniale. Non, mais de toute façon, je peux pas faire de magie, ça sert à rien de... Marron machin. Bon bah test de résolution, allons-y. Oh. Que je suis con, mais qu'est-ce que je fais? Mais non, mais attends, mais oui, je prends tout. Oups, un peu de pudeur, je vous prie. Monsieur le cornet. Il a une portée de malade. Ah merde, il y en a un autre. Mais comment je régénère ma magie, moi? Comme ça? Non. Ça c'est extra, le coup des torches-feu, j'adore. Non, bah je suis foutu. Ah. Attends, je pensais que le duel allait suffire, je comprends pas. Ah oui, ils sont deux. Mais je peux pas me coltiner les deux à la fois. Ah, je peux avoir le premier mais pas le deuxième. Attends, est-ce que je peux en attirer juste un? Parce que de toute façon, je peux rien faire d'autre. Dégâts de foudre, dégâts de feu. Comme ça, tu crois que je peux le...
merde, non, ils viennent tous en même temps. Non mais ça va. Encore je les enchaînerai les uns derrière les autres, je dis pas. Mais simultanément, je peux pas, je comprends pas. Attends, il y a quelque chose qui m'échappe dans cette épreuve. Je peux revenir en arrière? Je ne pense pas. Eh non. Je ne peux pas revenir en arrière. M'atteindre, pas moi. Ah ah ah, il y avait une idée. Wall jump, wall jump. Ah oui, oh ce hack. Je sais pas quoi en plastoc qui pète toutes les heures, c'est d'un chiant. Non. Mais n'importe quoi là, je vais me faire gangbang bêtement. Je fais quoi? Ah d'accord, il fallait remporter ce match là. D'accord. Bon bah ça va. J'ai trouvé l'élément de résolution, le deuxième élément de cet étrange amalgame de rêves. Il faut que je continue à chercher les autres éléments. Nous devons quitter cet endroit. Oui, j'ai plus de vie. Je suis en joie. Impossible de dormir quand vous êtes dans un rêve. Eh oui. Est-ce que vous avez trouvé une issue? Nous devons nous échapper. Oui, on va s'échapper. On va s'échapper. Alors, j'ai pas fait ça, je crois. Allez, le courage. C'est pas comme si j'en avais eu précédemment. J'avance pas. Mince. Noyé. Mais c'est con, en même temps je vois rien, vous êtes nuls.
Bon, il n'y a rien d'autre, de toute façon, c'est de l'apnée cette histoire. Allez, go. Putain, mais on n'y voit que puic, hein. On n'y voit que puic, hein. Ah, d'accord. Alors, attends, elle est où la boisson? Ok. D'accord. Alors, j'ai trouvé l'élément du courage, le troisième élément de cette étrange amalgame de rêve. Il faut que je continue à chercher les autres. Nous devons quitter cet endroit. Oui. Est-ce que vous avez trouvé une issue? Nous devons nous échapper. On va s'échapper. Allez, la perception. C'est parti. Ah. Putain, j'ai mieux gardé la potion de... Oula. Bah, le chemin était tout tracé. C'est quoi ce délire? Ouais, bah j'ai gardé le rouleau mystérieux. Suite du chemin, moi. Mais pourquoi j'ai pas la torche? Merde, j'ai oublié de ramasser la torche, je crois, comme un gros con. C'est possible, hein. J'ai oublié de ramasser la torche, tout va bien. Papa la papa. Je vais y arriver. Perdez pas courage, ni patience, ni rien du tout. Alors, comment dire? C'est un cul-de-sac. Ah non. Attends, je pige pas, il y a un truc au plafond? Non, il y a rien. Ah. Eh oui, bien sûr. Oula. Oh, mais c'est des lames, ça. Ça va, Shkwing, non? Ou Puddings.
les toucher. Oh, tout ça parce qu'elle se levait. J'ai gagné. J'ai trouvé l'élément de perception, le dernier élément de cet étrange amalgame de rêve. Il faut que j'apporte les quatre éléments à Enatier afin de tenter de le réveiller. Vous en priez, aidez-moi. Je ne me souviens plus de rien. Allez, t'es prêt à te réveiller ? J'ai la sensation que je vais me retrouver enfermé ici à tout jamais. Et non. Et j'ignore pourquoi. Le prophète. D'après ce que tout le monde m'a dit, il affirme que l'attaque contre la chapelle d'Anneville annonce l'arrivée du mal. Vous intéresse, vous devriez aller l'écouter vous-même à Anneville. On dit qu'il prêche chaque jour, par tous les temps, devant la chapelle. Oui, donc le monde des rêves. Mais comment ? Ce que vous dites doit être la vérité. Je me sens bizarre. Je vois maintenant que vous ne racontiez pas d'histoire. Vous disiez bien la vérité. Et je suis un imbécile. J'ignorais que l'amulette pouvait avoir un tel pouvoir sur moi. Je cherchais à créer un moyen de conquérir mes défauts, mais il semblerait que la situation se soit retournée contre moi, et qu'il m'ait conquis. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vous remercie. À présent, nous devons sortir de ce rêve, et reprendre nos places dans le monde réel. Adieu. Oh mon Dieu ! C'est un plaisir de vous voir dans le monde réel. Je vous suis reconnaissant de m'avoir arraché à mon cauchemar. De simples remerciements ne seraient pas suffisants, compte tenu de ce que je vous dois. Permettez-moi de vous récompenser pour votre courage. J'ai bien peur de ne pas avoir beaucoup d'argent sur moi, mais permettez-moi de vous offrir quelque chose qui pourrait vous être utile dans vos périples. Des rumeurs ? La guilde des mages s'est fait pas mal d'ennemis depuis que la nécromancie a été bannie. Piting, tu m'étonnes, à plus. Au revoir. Ne me dis pas que je suis à poil. Oh non, je suis à poil. Il en a profité en toute occasion, saligo. Oh non. Ah, si je suis vraiment dans la panade, je mettrai la cuirasse de Xvat. Et ben voilà. Et ben dis donc. Hop là. Si ça ne vous dérange pas, j'ai affaire. Vous voulez bien y aller maintenant, s'il vous plaît ?
Eh ben, dis donc. C'est un plaisir de vous revoir. Attends, il m'apprécie pour vraiment. Vous ? Bien sûr. Ah ouais. Au revoir. Au revoir, au revoir. Oula, il fait nuit noire. Ah, comment ça va ? Êtes-vous maintenant prêt à gagner votre recommandation ? Avec plaisir, mais oui. Je n'ai guère eu le temps de préparer quelque chose de conventionnel. La situation concernant Ardaline me préoccupe énormément. Peut-être pourriez-vous m'aider à ce sujet, cependant. Je ne peux pas être directement impliqué par peur d'embarrasser la pauvre fille. J'aurais besoin que vous parliez à Varon Vamori et vous apprendrez quelque chose sur le pouvoir de l'illusion par la même occasion. Varon Vamori, c'est le noble dans le château. Je ne comprends pas. Une ridicule histoire d'homme, j'imagine. Ça fait quelque temps qu'il ennuie Ardaline tous les jours. Il a même volé son bâton de mage. Peut-être pense-t-il que c'est amusant. Je n'en sais rien. Et ça doit cesser. Ça la rend malheureuse. Oui, et le bâton de mage, il a quelle propriété ? C'est plus symbolique qu'utile. Mais leur propriétaire y attache beaucoup d'importance. Vous allez récupérer le bâton d'Ardaline. Oh là là ! Prenez ce rouleau magique. Il devrait rendre Varon plus réceptif à vos questions. Ne revenez pas sans ce bâton. Si vous le voulez, vous devrez persuader par n'importe quel moyen Varon Vamori de rendre ce bâton. Eh bien. Veillez à ce que Varon vous remette ce bâton. Avez-vous déjà réussi à discuter avec Varon Vamori ? Il ne devrait y avoir aucun problème dès que vous utiliserez ce rouleau. Mais où je le trouve, Varon ? Vous avez ce qu'il vous faut pour le faire parler. Je l'admets, ce n'est pas une procédure standard de la guilde. Mais je ferai n'importe quoi pour mes filles. Arf ! Veillez à ce que Varon vous remette ce bâton. Hop, et bah santé, elle a vraiment, elle s'est vraiment retrouvée dégradée. Bonjour. Associé. Mais c'est parfait ça. Je sais pas à qui c'est la chambre, mais je vais me piéter une heure. Faut que je récupère ma vie gratos. Ah, parfait. Ça me va très bien. Alors. D'accord. C'est quelqu'un qui est hors de la guilde. Roi de neuf. J'ai entendu dire que des gens avaient vu des gobelins dans le coin il n'y a pas longtemps. Je ne oula, c'est la gamore. Quelle créature repoussante. J'espère que je n'en verrai plus jamais. Adieu. C'est pas comme s'il faisait encore nuit noire. Eh bien... Il est où ?
Ah, voilà l'intéressé. Alors, le parchemin de... Ah, la fascination peut-être. Je peux vous aider ? Des rumeurs ? Je suis heureux que Martz vive ici, à Braville. C'est une excellente guérisseuse. Ah, Braville. Vieux, fatigué et méchant. C'est un vrai sauvage. Vide comme l'horizon à l'est, le crépuscule sur la Nibène. Solennel et amer comme la mort. Ça arrête pas. J'ai un truc qui arrête pas de péter au soleil. Ah bah c'est la bouteille à la fenêtre. Ardaline. Oui, Ardaline. Oui, je la connais plus ou moins. Enfin, je veux dire, je ne la connais pas vraiment, mais je lui ai parlé à l'occasion. Oui, mais plus en détail. Oui, je la connais plus ou moins. Enfin, je veux dire... Mais il se paye de ma tête, lui. Vous avez beaucoup à apprendre. Mais dis donc, toi. Poursuivez. Alors. Comme vous voulez. Ouais, il aime pas qu'on l'admire. J'en doute. Oui, puis c'est vraiment ridicule. Mm-hmm. N'essayez pas de me manipuler. J'en doute. J'accepte. Elle est bien bonne. Pas mal, pas mal du tout. Ni maintenant, ni plus tard. Jamais. Mm. Comme vous voulez. J'en doute. C'est une bonne blague. Oui, oui, si vous le dites. C'est vraiment ridicule. J'en doute. Assez, vous me faites peur. C'est vraiment ridicule. J'en doute. Elle est bien bonne. C'est une bonne blague. J'accepte, je n'ai pas le choix. J'en doute. Ni maintenant, ni plus tard. Merde. Jamais. J'ai merdé celle-là. Hmm. J'en doute. C'est une bonne blague. Comme vous voulez. Ne dites pas n'importe quoi. Hmm. Bien sûr, c'est mignon. J'en doute. N'essayez pas. Assez, vous me faites peur. Pas mal, pas mal du tout. J'en doute. Ne dites pas... Oui, oui, si vous le dites. Tiens, c'est pas facile. J'en doute. Elle est bien bonne. C'est vraiment assez. Vous me faites peur. C'est pas facile, lui. Oui, pigé. J'accepte. Je n'ai pas le choix. J'en doute. N'essayez pas de me manipuler. Mais si, je suis là pour ça. N'essayez pas de me manipuler. Comme vous voulez. Elle est bien bonne. J'en doute. J'accepte. Je n'ai pas le choix. Inutile de gaspiller votre salive. Là, j'en doute. Bien sûr, c'est mignon. Alors... J'accepte, je n'ai pas le choix. Pas mal, pas mal du tout. J'en doute. N'essayez pas de me manipuler. Mmh. Je vois. Oui, je la connais. Ah, il dit la même chose, il est chiant. Au revoir.
Je peux vous aider? Oui. Très bien. J'apprécie. Merci beaucoup. Que c'est gentil, c'est juste ce qu'il me fallait. C'est pour moi? Merci. Bon, il me coûte cher, lui. Je ne sais pas quoi vous dire. Tout ce que je veux, c'est qu'elle s'intéresse à moi. Qu'elle éprouve pour moi les mêmes sentiments que j'ai pour elle. Mais ce n'est pas le cas. J'ai beau essayer en vain, ça me rend furieux. Oh, c'est pas vrai. Tout ça pour ça. Je n'ai jamais levé la main sur elle, que ce soit de colère ou... Je ne lui ai jamais fait de mal, compris? C'est bon, je l'admets. Je le lui ai pris. Le bâton de mage. Je ne sais pas à quoi je pensais, sincèrement. J'essayais de lui faire part de mes sentiments encore une fois, et elle n'a pas daigné s'arrêter pour me parler. Cela m'a mis dans une telle colère. J'ai eu un peu honte par la suite, mais je ne savais pas comment m'excuser, ni le lui rendre. Si seulement je pouvais... C'est... que je ne l'ai plus, vous comprenez? Je l'ai vendu à un de mes amis, Soris Arenim. Ah, oh, mon Dieu, c'est pas vrai! C'est qui, lui? Il vit dans le quartier de la place de Talos, dans la cité impériale. Oh non! C'est lui qui a le bâton d'Ardaline, maintenant. Oh non! Oh non! Oh, la quête FedEx! Faut retourner à la capitale. Soupir. Bâton de mage. Si je l'avais encore en ma possession, je le rendrais volontiers. Allez voir Soris Arenim, si vous voulez la voir. Ah, crotte. Dites à Ardaline que je suis désolé. Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi qu'il y a des sous-sols dans les catacombes. Dis-moi qu'il y a des sous-sols dans les catacombes. Dis-moi qu'il y a des choses à chasser dans les catacombes. Oh, mais il faut que je casse tous les faut que je casse tous mes malus. Voilà. Ah. Me voici béni des dieux. Alors, nef de la chapelle et la crypte. Alors, la nef, je pense qu'il n'y a rien dedans. Oh, bonjour. Oh. Oh, mais il y a du monde. Mais fais pas... Non. Ok. Ok, ils sont sortis de leur piole apparemment. Wow, stylé. Vous devriez aérer plus souvent. Et dans la crypte, du coup, il y a du monde ou pas? Elle est partie où? Ah, elle est partie là-bas. Mais... Attends. C'est la magie du démon, là, c'est pas possible. Non, pas lumière, que je suis bête. Ah, il y a une porte là. D'accord. Oh, c'était donc elle. Je suis le primat de Mara, Shana Mona. Je m'occupe des affaires de la chapelle dans la paroisse de Braville. Et je parle au nom de Mara au Conseil des Neufs. D'accord. Ok, Braville. Ura, Vaza et Mart ne me laissent pas grand-chose à faire à Braville. Cela me laisse le temps de me consacrer au ministère de Mara dans tout l'Empire. Oh ben c'est bien, des rumeurs? Vous avez entendu parler du fantôme du vieil homme qui passe ses nuits tourné vers la mer dans la baie de Niben?
On l'a surnommé le garde triste. Inquiétant, hein? Le garde triste? Je ne sais pas grand-chose au sujet de ce fantôme, mais d'aucuns disent qu'il aurait péri au cours d'un terrible naufrage. Si j'étais vous, je ne m'approcherais pas de lui. Ça porte malheur. Chaque nuit, il rôde sur la côte de la baie de Niben. Puis, il s'arrête et fixe tristement la mer. Si ça vous intéresse, allez voir Gilles Gondorin, à Âtre d'Argent-sur-Berge. Il connaît toutes les légendes locales. Oh, intéressant. Merci. Adieu. Adieu. Ça, c'est le genre de légende que j'aime bien. Putain, avant, je croyais qu'il y avait une affiche pour le renard gris. Boing, boing, boing. Oh, joli. Oh, ça fera un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais suite au prochain épisode. Oh là 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 là. Eh ben, c'était bien. Ça m'a plu.